Et bonjour à tous, c'est Akoris avec une voix un peu chaotique. J'ai un petit rhume, c'est un peu compliqué. Alors attendez, il n'y a pas d'option pause. D'habitude, dans tous les jeux comme ça, il y a des options pause. Pas là. Voilà, ça va pas nous faire une pause parce que je crois qu'il continue dans ces cas-là. Donc alors, attendez, on met ça. Donc oui, nous continuons notre partie sur. Je sais pas. Bon, allez, on va continuer un peu des herbes. Nous continuons notre partie sur Jurassic World Evolution, où nous allons continuer à faire un petit parc. Sympathique, je l'espère. Tac. Alors, j'ai un gros souci avec le jeu. J'ai un très gros souci avec le jeu. C'est-à-dire que... ah, viable. Bah oui. Ah, mais d'accord. C'était pas 50%? D'accord. Vous n'avez rien à prouver, mais la façon dont vous avez mené ce contrat a fait forte impression. Chapeau. Voilà. Ah, attendez, je viens de comprendre un truc. On peut les améliorer, mais c'est là. Ah, amélioration de la viabilité. Ouais, bon, ça sert plus à rien sur cela. Ah, mais si, on va refaire plus tard. Ouais, mais il a quel pourcent celui-là? 64%. Ouais, bah on va augmenter ici. Allez. Donc, je vais réussir à vous expliquer. J'ai... Ah, sans électricité, forcément. On va devoir améliorer les centrales. Je vais pas réussir à vous expliquer, je crois. Il me faut le laboratoire de recherche. Il me plaît ce contrat. Je Ils suis veulent sûr une que vous photo de aussi. Triceratops qui boit. Ok, ça doit se faire. Alors. Les recherches. Améliorer un bâtiment. Non, c'est pas ça. Non. Améliorer un bâtiment et on va améliorer la centrale électrique. C'était bien ça, hein. Production d'électricité, c'est bon. Donc, je m'en pose 2 secondes parce que sinon je vais pas y arriver. J'ai un souci avec ce jeu, c'est-à-dire que bah, je l'aime beaucoup et y jouer une fois par semaine, c'est compliqué. Donc je vais vous faire un peu plus d'épisodes. Hein, vous avez déjà vu le précédent qui est sorti beaucoup plus tôt que prévu. Je vais vous faire beaucoup plus d'épisodes que prévu, mais bah, je sais pas comment je vais me débrouiller. Parce que j'ai envie d'y jouer, j'ai pas envie de me forcer à ne pas y jouer juste pour pouvoir vous faire un épisode par semaine, voire deux. Donc on va voir comment on se débrouille. Ah! Voilà, léger souci, c'est bon. Donc je disais, on va voir comment on se débrouille pour faire ça. Moi personnellement, j'aime beaucoup le jeu, j'ai envie d'y jouer un peu plus souvent. Alors soit je me fais une partie à moi à côté où j'évolue à la vitesse que je veux, mais c'est un petit peu con. Il n'y a pas celle qui boit là, vous êtes sérieux? Allez, va boire. Pas boire, allez boire, allez go. Oh, bon, tiens, on va faire ça en passant. Voilà. Ça c'est fait en passant. Non, ils veulent pas aller boire. Ok, bon, on ira quand il y en aura un qui voudra boire. Bénéfice par minute 114. Ça, c'est pas mal. On a récupéré des fossiles. Ça se vend. Ça fait pour les recherches. On envoie une équipe continuer là-bas. J'aimerais bien récupérer une deuxième équipe d'ailleurs de... Attendez, recherche, recherche, recherche. Centre de contrôle, recherche. On en est où? 2 minutes. Ok. Non mais reste là, reste là, reste là. Et tu restes là. Tu ne bouges pas de là. Non mais je vais le mettre au bout là-bas de l'enclos. Voilà, le temps qu'il bouge, on aura le temps. Il n'y en a pas un qui va aller boire quoi, ils sont sérieux. Bon, on c'est pas en temps limité, on ira plus tard. Bref, côté organisation, je ne sais pas. En bref, c'est ça, hein. Le souci est là, c'est que côté organisation, je n'ai aucune idée de comment faire, de ce que je fais. Donc, je vais jouer autant que je veux. Je vous découperai ça. Elle est où la voiture? Elle est où la voiture? Là. C'est bon, il est parti boire.
En train de boire là, ça marche. Je ne sais pas ce que représente cette photo et je ne sais pas si j'ai envie de le savoir. On va en essayer une. Voilà, il boit là. C'est bon. Non, il veut pas. On se rapproche un peu plus. Ah en si, résumé, c'est passé. Je n'aurais pas pu faire mieux. Merci. Voilà. Ça allait plus joli. Je suis désolé, mais hein, voilà. Sans récompense dans l'application, dureté dedans. Aucune des activités de cette île ne pourrait prospérer. Je suis pas sûr que j'ai envie que mes dinos aient les dents plus dures. Et sur Isla Matanceros, vous avez démontré votre talent en la matière. Vous méritez cette récompense. Du coup, ça, c'est recherché. Du coup, toi, on va t'améliorer. Amélioration, production augmentée. Voilà. Et bon, tout marche. Il y a quoi d'autre comme amélioration? Parce qu'il faut que je commence à travailler un petit peu là-dessus. Coût d'entretien réduit. Ça me coûte moins cher. Wow, wow. Protection contre les coupures de courant. Ça peut être intéressant. Équipe sur le retour. Ok, on va pas tarder à voir. Et je vais améliorer mon autre. Ah bah voilà. Ça, ça se vend. Et ça, on améliore. Le tricé, il est déjà à 100%, donc on peut que vendre. Oui, oui. J'ai du mal à pas appuyer sur échappe pour une expédition. On va faire monter un peu celui-là. Toi, non, c'est pas ça. C'est ça que je cherche. Non plus. Je vais y arriver, je vais y arriver, je vais y arriver. Hop, voilà. Il faut que je réfléchisse au prochain enclos. Je le ferai bien là, mais il y a beaucoup, beaucoup d'eau hein, quand même. Les pauvres bêtes, elles ont un besoin d'être aquatiques. Donc ça sera là, finalement, du coup. Il faut que je fasse aussi 2-3 trucs pour les visiteurs, mine de rien. Un fast food. Ah oui, parce qu'ils ont pas à manger. Je nourris les dinos et pas les humains. Hein. Il y a un moment, hein, voilà. Ça monte très très vite l'argent, hein. C'est ça se gère très bien. Tac. L'électricité est là. Eh ben écoutez, on aura bientôt un fast-food. Et on va pouvoir commencer. Alors j'ai vu. Je vais essayer de voir comment ça marche. D'accord. On peut faire des courbes comme ça. Ok. C'est peut-être pas la peine de passer à côté du. Ah, c'est le centre de. Ouais. Bon, on va essayer de faire le moins d'utilisation de zones possible. Parce que c'est compliqué. Et ça s'arrête où? Ça s'arrête là, vous voyez. Du coup... Non. Je vois pas ce que je fais. Je vais couper comme ça on pourra faire une autre construction nécessaire ici. Et hop, bon, je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Non, j'ai du mal, hein. Oh là là là, on va y arriver. Oh, ça a l'air d'être un joli caillou. Bon, allez, c'est l'objectif pour aujourd'hui. Ah oui, on a les autres îles, du coup. Il y en a plein qui se libèrent à 3 étoiles, hein. D'accord. Et approche la plus grosse, donc ça, c'est celle où se passe vraiment Jurassic Park. C'est ici que Jurassic Park et Jurassic World ont été bâtis. D'accord. Là. Allez, on va partir sur un nouvel enclos.
vais juste... Ouais, on va faire comme ça, regardez. Et là, on pourra en faire un du coup. Là. Avec un peu d'eau dedans, ça sera parfait. Un électrique, parce que la seule bestiole qui nous reste actuellement, c'est un dino agressif. On va écarter un peu, parce que sinon, on va se retrouver à pas pouvoir placer les trucs. Non. Je réfléchis trop en faisant mes trucs, ça ne va pas du tout. Oui, je sais qu'il n'y a pas d'électricité, t'inquiète. Je vais passer des clôtures électriques dans l'eau. Oui, je vois pas le souci. Ok, électricité. On va ramener. Il est où? Il est là le plus bas, le plus proche. On va plutôt faire passer par là. Voilà. Du coup, il y a l'électricité. Pas sur toute la ligne. Ok. Il va nous falloir plus de puissance. On va refaire une centrale. Du coup, on va la caler là où j'avais prévu de faire un autre bâtiment et il n'y a pas assez de place. Sinon, ça n'aurait pas été drôle. Voilà. Il faut que je rapproche ça de là. Ok. Voir les fossiles. Alors, ah, bon, on a fini pour lui aussi, je pense. Allez. Du coup, là, on n'a plus besoin. Le structure. Alors, là, c'est le cératome. Et il y en a un autre ici. Il n'y en a pas d'autre. Non, il y en a un autre en Chine. On va déjà développer le Ceratosaur parce que vu qu'il coûte cher, parce que j'en ai vu, il coûte très cher. Et ça serait ennuyeux. Oui, je sais qu'il y a plein de trucs qui ont besoin d'électricité. Ça serait très ennuyeux qu'on ait des. qu'on ait des. Des morts qu'on veut les faire éclore parce que ça risque de nous coûter très cher. Qu'est-ce qui se passe ici? Ah oui, t'as pas de route. Oui, bah attends une seconde. Elle est où ta route, toi? C'est bon, voilà. Allez, ça marche. Du coup, le Ceratosaur. Ah. L'inévitable s'est produit. Oh ben. La vie engendre la mort. Oh ben, il est bien devant en plus. La question. Était-il possible de l'éviter? Je ne pense pas. Bien sûr. Alors. Que non. La mort est le destin de tout être vivant. Mais auriez-vous pu la retarder? Ça, c'est une autre histoire. Bon, eh ben, on va commencer par, du coup, incubation. Faites voir où j'en suis pour lui. Ouais, non, ça va. Il va à tous les coups rater. On va prendre celui-là. On va modifier un peu le génome. Tiens, on va voir ce qu'on peut faire. Ouais, la viabilité, on peut se permettre de la baisser vu que... Ah, attendez, j'ai pas validé, je crois, oui. Appliquer. Voilà. Et là, on a... on peut monter la... On peut monter quoi? On peut baisser la viabilité et augmenter la note, d'accord? Ou celui-là augmente l'espérance... Non, lui, il fait quoi? S'il augmente l'espérance de vie. Ok, bon, écoutez, on va rester sur l'espérance de vie, c'est pas mal. Et là, nous avons... viabilité qui descend, mais la résistance qui monte aux maladies. L'espérance de vie qui monte. Écoutez, on va appliquer ça. Ça monte son attaque aussi, mais bon, c'est une patate. Hein. Je pense que... Ça devrait aller, on va survivre à la chose. Générer 125 000. On n'en voit pas tous les jours. Étudiez-le avec soin.
Je vais fermer parce qu'il y a des chiens dehors. Voilà, j'étouffe juste pour que vous entendiez pas les chiens. Donc il faut qu'on fasse 120 000 de bénéfices par minute, ce qui va être un peu compliqué à mon avis, mais bon. Allez, on prélève, je fais avancer ça. C'est l'objectif de la journée. Surtout qu'on a déjà le parc. On a besoin d'un enclos avec la mangeoire pour carnivore. Avant de placer ça, on va placer... On va voir, on peut la placer. Normalement, voilà. J'avais tout fait pour qu'on puisse la placer là. Tac. Et oui, je prends le risque de mettre directement dedans. Hein. Je pense que c'est quand même vachement plus cool. On va détruire un peu... Oh, il y a quoi pour... On peut pas détruire les aménagements. Oui, non. Ah, de l'herbe. Non. Ah, enlever les arbres. Voilà. Alors, je vais pas en enlever trop, mais au moins qu'on voit un peu les dinos, quoi. Parce que sinon, ça... Oh! Il y avait des perroquets. Voilà. Voilà, il lui reste pas mal, hein. Et puis, ça ira bien. Et du coup, le reste, c'est de la fougère, c'est ça? D'accord, oui, pourquoi pas. Un peu de fougère. Ça, on peut. Ok. L'eau, il a déjà ce qu'il lui faut. On pourrait... Ah, mais du coup, en fait... On peut même voir pour... Non, ça enlève pas le... Je vais enlever l'eau. Ah, on peut enlever de l'eau ici. D'accord, donc je peux créer un autre enclos ici, après. Ok. Ceci dit, là, je vais mettre un carnivore. Ou l'écarter un petit peu, hein, on verra. Du coup... On va libérer celui-là. Qui devrait tenir un peu plus longtemps que ses congénères. Eh hey, bestiole. Ah, c'est ouvert. Allez, allez. Bon. Incubation. On va essayer, hein. Il va nous coûter une blinde, je sens ce truc. Ok. Les recherches, elles en sont où? Il n'y en a plus. Tiens, on va faire cela. Elle coûte un peu plus cher, mais il y a du génome de meilleure qualité, normalement. Du coup, qu'est-ce que je peux faire, là? Est-ce que... On pourrait mettre un deuxième... C'est pas l'eau hein, qui gêne. Non, c'est... On pourrait mettre un deuxième point de vue ici. Et du coup mettre de... Ah, attendez. On va commencer à aménager. Voilà. On enlève les arbres qui sont là parce qu'ils m'embêtent parce que je ne vois rien. Et on pourra faire un deuxième enclos ici. On va faire une route. J'essaye de... Comme vous pouvez le voir, hein, il y a assez peu de place. Du coup, on fait un peu avec ce qu'on a côté... Ok. Côté place. Ça, ça passera pas dans tous les cas. Et là, je pourrais en faire un deuxième. Ok. Ce qui est pas mal du tout. Mais bon, il faudra voir pour mettre quoi. Pour l'instant, ça a l'air d'aller pour mon bestiau, là. Il s'avance pas vite, hein. On a quoi en recherche à faire en attendant? Hop. Coût d'entretien. C'est pas ma... C'est globalement pas mon souci pour l'instant. Ferme d'accélérer 10% l'extraction d'ADN. Permet d'avoir un fossile de plus sur tout. Je préférais, voilà, je préfère avoir ça. Mais pour ça, il faut être avoir plus de réputation. Mmh. Ok. Euh,
On va aller partir dans les recherches pour les habits. Pour les. Il n'y a que ça. Hein. Ok, bon, bah, on va faire ça. Allez. Une boutique de prêt-à-porter. C'est pas vraiment. Mais bon. Ah, j'ai déverrouillé quelque chose, je crois. Oh, bien, 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 bien. Celui-là, il devrait m'apporter pas mal. Bon, écoutez, je vous retrouve quand il est clos, parce qu'il prend son temps, le pépère, hein. Alors, on a la boutique de prêt-à-porter qui est disponible. On va en faire une. Je n'ai pas la place. Ça aurait été pas mal, là. C'est con qu'on n'ait pas la place. Pourquoi on peut mettre ça? Pourquoi on peut pas la mettre là? En train de terrain. Allons donc. Qu'est-ce qui se passe? Ça s'est aplanir? Ouais. Voilà! Il n'y a plus de contraintes de terrain, tu vois. Tout s'arrange. Allez. Non, il y a toujours des contraintes de terrain. Qu'est-ce qui va pas? C'est quoi son souci? C'est bon là? Ouais, m'agace ce truc. On peut pas le mettre ailleurs en plus, donc ça saoule. Là. Voilà, ça prendra le petit coin là. Allez. Voilà. Il cherche les complications. J'ai pas envoyé d'équipe. Eh ben écoutez. Allez, j'en lance une dernière sur ce site-là. Parce que là, on en a un. Alors, on se pré. C'est pas électrifié. C'est pas électrifié du tout. Remplacer, oui. Et j'aimerais bien remplacer ça. C'est bon. Voilà. Alors. Allez, voyons voir cette bête. Hein. Vous m'avez bien aidé, je ne l'oublierai pas. Il est beau. Il a faim. Vous avez assuré sur ce contrat. Je suis bien content de pouvoir compter sur vous. Il va falloir très très vite le transférer. Un carnivore à ce que je vois. Un ceratosaurus cette fois. Son échine présente de petites pointes osseuses et il arbore une corne sur la mâchoire supérieure. Va vite endormir ça. Le genre d'animal qu'il vaut mieux ne pas croiser lors d'une promenade. Salut pépère. Oh, il se rapproche de la clôture. Il a vu les herbivores de l'autre côté. Et les herbivores aussi l'ont vu. Panique. Tu m'étonnes. Tout va bien, il va partir. Allez, on l'endort. On endort la grosse bête. Ok, il n'est pas content. Raté. Raté. Vous me coûtez cher les mecs, hein. Ah. Allez, on tire encore un coup là. Les chiffres sont excellents. Oh non, c'est bon, il l'a eu. Ok, j'ai les bénéfices, donc ça c'est bon. Ok. Et on envoie une équipe pour le trimballer. Alors pourquoi je fais comme ça, hein? C'est tout simplement que ça coûte 10 fois moins cher de faire comme ça plutôt que de trimballer, de recréer à chaque fois une zone de. Une zone pour les faire, qu'il faut en plus améliorer pour être sûr que ça a marché. Voilà. Allez, on va les envoyer en expédition pour le nouveau dino. Allez,
On récupère la grosse bête. Puis bon, tant qu'on y est, on va faire un deuxième. Hein. On peut peut-être le modifier pour essayer qu'il soit un tout petit peu différent, mais bon, c'est un risque. Hein. Bon, j'ai pas de génome. Ah, un dinosaure mort. J'ai pas de génome à appliquer dessus. Eh ben, il attendra. C'est une crise cardiaque, c'est ça? Il a pas sur, il a pas supporté. On va faire un poulet, du coup. Mener une incubation, regardez ça, c'est pas magnifique. Je vais gagner 100 000 pour avoir fait un poulet. Tu le lâches pas maintenant, hein? Et du coup, le nouveau dino, on le mettra là. En espérant qu'il soit suffisamment loin du carnivore pour que ça lui fasse pas peur. Je vais le faire comme ça. Hop, on a une incubation. Voilà. Allez, grosse bête. Vous avez fait de l'excellent travail. Moi qui pensais être la seule. Il est en bonne santé, il est calme, tout va bien. Voilà. Allez, un carnivore à venir voir, ça va rapporter des sous. L'hélico. Quitte le parc. Comment ça quitte le parc? Ah, oui. Ils interviennent tout le temps de. Ok. On part récupérer la cible. Voilà. Il fait casse-croûte. Oula. Les steaks ont l'air un peu rigides, hein, léger. Ok, bon. C'est quoi cet hélico qui se balade d'ailleurs? On a celui-là à transférer. Aussitôt qu'on a perdu un, on en récupère un nouveau. Ça, c'est... Allez. En recherche, on en est où? Enclos. Non disponible. Mission secondaire, ok. Trois éléments génétiques. Ouais, mais tout ça. Donc en fait, c'est vraiment des trucs... ça, il faut augmenter la réputation. Ça, il faut une note sur une île. Ça, il faut une quête. Ok. Donc, bah écoutez, on va quand même monter ça. Tant pis, je compte pas les développer sur les dinos en particulier parce que je pense que ce serait très dangereux. Mais je monte bien en réputation en plus. Franchement, prochain élément débloqué. Ah oui, je débloque un élément à chaque fois que... D'accord. Bonus de fidélité. Risque de sabotage faible. Oula, alors, en fait, si on travaille trop sur un, ils peuvent nous mettre des bâtons dans les roues. Nickel. Nickel, nickel. Bon, bah, écoutez, on va commencer à préparer l'enclos qui va être là. Électrique ou pas? C'est quoi? Bon, c'est la porte. Écoutez, on va partir sur une électrique. Simple sécurité, hein, parce que vu que ça a l'air d'être un... C'est quoi qui pose souci? Ah! Ah mais attendez, il y a plein d'espace là derrière! Ah! Du coup, ce qu'on va faire... Voilà, et là on aura une route qui va passer là. On va la mettre un peu plus loin. Voilà. Comme ça on va pouvoir mettre... On va pas encore mettre la nourriture parce que ça sert à rien de mettre la nourriture pour l'instant. Mais on peut mettre ça là. Je voulais en mettre un là mais en fait il tiendra jamais.
Et là, ça va jusqu'où? Oh oui, mais encore plein d'espace ici. D'accord, en fait, c'est juste la montagne qui me faisait défaut, en fait. Non, mais ils sont sérieux, ils m'ont foutu dans mon essence. Bon, on va détruire, hein. Oui, bah oui. Ouais, on va le détruire. Tch. Je réfléchis pas, enfin, je vérifie pas, mais ça me paraissait logique de le mettre dans le bon sens, quoi. Et là, tu veux pas me mettre non plus? Bah non, hein, oui. Non, en fait, il veut pas. Non, 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 il veut pas. Ok. On peut les mettre avant et recoller derrière parce que ce serait peut-être plus intelligent en fait de faire comme ça. Là, on laisse construire, on colle les barrières après. C'est pas plus mal. C'est bon, il est parti dans son enclos, il n'y a plus personne là-dedans, on va refermer. Où les deux verres là? Il y en a un là. Oh, il y en a un là-bas. On s'en sort comment? Ah oui, bah faut que je les renvoie, j'ai encore oublié. Je suis malheureux, une tête en l'air, mais c'est affolant. Hein. Tu fais quoi? Tu le finis ce bâtiment ou... Oui, allié non relié. Oui, mais il n'y a même pas la... Si tu veux, pour l'instant, il n'y a même pas de barrière. Hein. Voilà. Peut-être plus simple. Voilà. Hein. Maintenant, je ferai comme ça. Voilà. Bon, pour l'instant, il n'y a rien dedans. Hein. C'est pas la peine de vous inquiéter, les mecs. C'est déjà chargé en électricité. Oh, c'est... Ok, l'électricité arrive jusque-là. Ça m'étonne un peu, mais ok. Pas de soucis. Ah, c'est parce que là, c'est... D'accord, ça passe par là. Et du coup, on a dit pas de nourriture pour l'instant. Cet enclos est quand même vachement grand. Hein. On pourrait limite... Je sais pas jusqu'où... Ouais, non, on peut pas. J'allais dire, à la limite, on pourrait limite en faire un autre ici pour couper. Mignon. Et là, on va avoir de quoi faire, hein. Bon bah écoutez, je vous retrouve un peu plus tard, dès que j'ai... Bah en fait, pour l'instant, on n'a pas assez pour faire le nouveau dino. On est où? Occupation, 28%. Ok, il y a encore du boulot. Hein. Je trouve que c'est un peu dommage qu'ils aient pas mis d'avance rapide. Attends, on peut peut-être faire ça. Protéger notamment la centrale électrique, ce qui serait peut-être une bonne idée. Là. Une petite station météo juste là, qui protège toute la zone là. Et on pourrait peut-être faire un... Pour pouvoir s'épanouir, les dinosaures ont besoin d'un environnement adapté. Oui. Ouais, on n'a pas regardé. Toi, tu... Confort? Ah, c'est pas au top côté confort. Tu veux... Ouais, non, mais je vois bien que t'es énervé. Attends. Tu veux de la prairie? Non, c'est quoi? Y a pas assez de prairie? Tu veux plus de prairie? Ah, attends, on va t'en mettre. Ouais, ça a l'air mieux. J'ai pas pensé à ça. C'est pas encore ça, hein. Oulala. Là, ça, ça va être compliqué à gérer. Ah.
Bon, je crois qu'on va avoir un petit souci de déficit d'ici peu. Oh là là, oh là là. Je crois qu'il va avoir un gros souci là. Ah bah il aura plus faim. C'est... Ok. Les mecs. Ajouter une tâche. Il va falloir réparer la... Ça a dû coûter bonbon. Il vaudrait mieux réparer tout ça rapidement. L'équipe de garde peut vous y aider. Il est où? Il dort pas encore? C'est bon. Bon, on a eu un décès. Qui va nous coûter certainement très cher. On va aller voir les fossiles, ils se tiennent vachement plus calmes. Notre premier mort, c'est merveilleux. Ah bah c'est le souci, hein. C'est Jurassic World, hein. Il y a un moment... C'est bon, ils ont réparé. Ah bah ici, apparemment ça lui plaît bien. Cet enclos n'est pas assez grand, c'est quoi l'affaire? Je peux agrandir un peu l'enclos, hein, ceci dit. Hein. Ou c'est qu'il y a trop de visiteurs qu'on peut trop voir les visiteurs. Non, ça semblait être un souci de... Attendez, on peut aller jusqu'où là? On va prendre là. Non mais pourquoi il veut pas là? Il m'énerve. Détruis ça. Merci. Voilà, comme ça je vois plus rien. C'est parfait. Je vois pas où est la barrière. La barrière, elle glisse quelque part par là. Elle est là. Et là, il n'y a plus rien, c'est ça? Mais si, il y a quelque... Ah, mais... Une proposition intéressante, ça se saisit tout de suite. Mener à bien une expédition sur le site... Oui, bah écoute, on peut faire ça. Attends une seconde, je finis mon souci de dinosaure carnivore. Ah, tiens. Un tout petit peu fâché. Non. Voilà, t'as un peu plus de place, on va voir si ça lui convient. Allez, espérer que... Et on va de toute façon s'arrêter là, je pense. C'est bon, il dort, arrête de paniquer, ça va. Il a mangé quelqu'un entre temps. Mais bon. Détail. lui, on va l'améliorer. Et les recherches n'avancent plus. Tac. Il faut quoi pour les débloquer? Ah, il faut plus de centres d'expédition. On peut faire ça? Opération. Sans expédition, on pouvait construire... Ah d'accord, donc en fait il faut avoir accès à une autre île pour avoir les autres dinos. Ok, ok. Il faut terminer l'expédition sur... Ah ben, j'ai déjà envoyé mon équipe. Alors, on va voir comment il va se réveiller, mais à mon avis il va pas être content en se réveillant. Il est bien nourri à l'intérieur, pourtant je comprends pas ce qui lui va pas là. Ah, peut-être qu'en fait, tant qu'à faire des arbres, j'aurais dû en mettre là. Objectif atteint, cible livrée. Ça lui fait un peu moins de... Voilà, là, il est content. Bon, pas de grand-chose, mais il est content. Ah, quand il dit prairie, en fait, c'est juste l'herbe. Donc, c'est juste de l'herbe qu'il fallait que je rajoute, non? T'es où, pépère? Reviens. Te cache pas, je veux qu'on parle. J'ai perdu un rex, enfin un dinosaure. C'est...
C'est un poil embêtant. Oui, mais j'aimerais bien voir ces... Monsieur, il veut plus me voir. Il se cache! Bois, ok. Ressors de là! Il bouge, il bouge. Voilà. Ouais, bon, je sais pas. Pour la prairie, j'aurais cru que c'était ça, mais apparemment pas. Bon, pour le reste, il est content. On va en remettre un petit peu, on sait jamais. De toute façon, ça fait un peu plus naturel. Il a tourné dedans. Non, c'est pas le poste électrique que je veux, c'est le dino. Mais j'en ai rien à faire de savoir comment le poste électrique va. Bon, écoutez, je vais rien toucher parce que j'ai l'impression que ça baisse au final. Donc, on va plus rien toucher. On va juste lancer la mission et puis on va arrêter là. Ça, ça se vend, ça, ça se vend. Ça, on améliore le dino et ça sera sûrement notre objectif de la prochaine fois. Et elle voulait qu'on envoie une mission... Ah, c'était ça, non? Formation de... Non. Formation de Lunria. Lunria. J'aurais oublié d'ici qu'on ait cliqué. Lunria, c'est là. Ok, bah écoutez, on va s'abandonner là. Notre dinosaure a décidé que ça allait mieux, donc tout va bien. Il a plus l'air trop nerveux. C'est pas plus mal, hein. Et il a mangé quelqu'un, ça fera venir du monde, ça va faire parler de nous, voilà. Allez, je vous dis à bientôt.